j'ai continué mon aventure à travers les vignes. Au loin, j'ai vu un château avec de magnifiques tours. Je m'y suis rendue. Le château de Corcelles a été bâti au XVe siècle en tant que place forte et les seigneurs de l'époque étaient des exploitants de type polycultural, c'est-à-dire qu'ils produisaient tout type de culture afin de se nourrir. Au fur et à mesure des siècles, le château s'est spécialisé dans la culture de la vigne. Le vignoble s'est étendu. Au XVIIIe siècle, ce magnifique chai de stockage a été bâti pour stocker et élever les vins du château. Aujourd'hui, le domaine s'est étendu sur une surface de 90 hectares de vignobles qui sont situés du nord au sud de l'appellation en plusieurs îlots culturaux. L'ensemble des vins est vinifié ici au domaine, élevé et mis en bouteille et commercialisé sur le site du domaine. Depuis le XVe siècle, le château a très peu changé de main. Plusieurs familles en ont été propriétaires. On nommera précisément la famille Ramy de la Magdeleine, qui a été propriétaire pendant plusieurs siècles du château. Ce château a ensuite changé de main deux fois, et depuis 1984, il est propriété de la famille Richard, qu'il a acquis afin d'exploiter son vignoble, mais aussi de restaurer ses magnifiques bâtiments qui sont classés au monument historique. Le seigneur de Corcelles meurt à la bataille d'Azincourt et une vingtaine d'années plus tard, le château est démoli par les Bourguignons. Quelques années après, sont reconstruites la grosse tour carrée, deux tours rondes et une partie de la muraille. L'enceinte entoure une cour avec des galeries Renaissance et un corps de logis. Celui-ci est desservi par un escalier à vis, logé dans une tourelle polygonale.
Le château a connu les guerres de religion au XVIe siècle et l'enfermement de ses propriétaires à la Révolution. Au XXe siècle, le peintre Maurice Sutriau y fera plusieurs séjours. Allez, Célia, on se réveille. C'est l'heure. Non, je rêve.